grand-père, qui n'était pas un homme méchant, avait quand même déjà essayé de me tuer. Les enfants, faites attention à pas arroser papa et maman. Vous mangez des chips. D'avoir eu peur et d'avoir rêvé à la beauté du trésor. Peut-être parce que je savais que j'étais déjà mort. Je me souviens surtout de la blancheur de cette lumière que je voyais pour la première fois. Je t'aime qui avait la résonance du fond de l'âme. Je t'aime, maman. Ma mère avait la force d'un grand bateau qui voguait sur un océan malade. D'être gentil cette fois-ci, Léo. Maman, les holo. C'est ça, ben oui, Tony. Mais là, quand le docteur te parle, essaie de lui répondre. Fais ça pour ton bien. Quelquefois à l'hôpital, il y avait aussi ma sœur Nanette, ma sœur Rita, mon frère Fernand, et puis mon père. Comme si l'hérédité de mon grand-père avait frappé la famille de plein fouet et que la petite cellule de trop s'était déposée dans le cerveau de tout le monde. Bonjour. Qui parle en premier aujourd'hui? Et pourquoi pas toi, Léo? Parce que moi, je m'appelle...